Si c'était à refaire, Elisabeth Borne ne changerait peut-être rien. Invitée du journal de 20h de TF1, ce jeudi 16 mars, la Première ministre est revenue sur l'utilisation du 49.3 pour faire adopter la nouvelle réforme des retraites. Un procédé qu'elle explique à Gilles Boulot. « Jusqu'à la dernière minute avec mes ministres nous avons tout mis en œuvre pour réunir une majorité sur ce texte. » Assurant qu'avec le président de la République, elle souhaitait aller au vote, elle déplore que certains au sein du groupe LR ont joué une carte personnelle en contradiction avec ce que portent les Républicains depuis des années. Et ce qu'ils ont même proposé il y a quelques mois. Le compte n'y étant pas, la chef du gouvernement a accepté d'engager sa responsabilité sur le compromis trouvé hier entre les sénateurs et les députés. Mais à l'Assemblée nationale, l'utilisation du 49.3 ne passe pas. En arrivant dans l'hémicycle pour justifier son choix, le bras droit d'Emmanuel Macron est hué, sifflé et confronté à des élus de gauche entonnant la Marseillaise après l'avoir appelé à démissionner. Face à ces cris, Elisabeth Borne s'est dite très choquée. Supérieure à Elisabeth Borne, l'évolution physique de la première ministre en images. Elisabeth Borne dénonce ceux qui veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue, évoquant les hurlements, les chants du côté des députés de la NUP, les députés du Rassemblement national qui tapent sur leur pupitre, les cris où on ne s'entend même pas parler. La chef du gouvernement rappelle que l'Assemblée nationale, si est-il un lieu où l'on débat, si on ne veut pas s'écouter, je pense que cela traduit le fait qu'un certain nombre de groupes d'opposition ne respectent pas nos institutions, déplore l'ancienne ministre Travail, de l'Emploi et de l'Insertion de Jean Castex. Certains l'ont dit clairement, ils veulent le chaos à l'Assemblée et dans la rue. Agacée, Elisabeth Borne met en garde, « Je suis certaine d'une chose, le chaos, le désordre, ce sont les Français modestes qui en payent les conséquences. » Ainsi, elle assure à Gilles Boulot que ce qui se passe en ce moment, elle ne le vit pas comme un enjeu personnel, ce dont on est en train de parler, si est-il d'un élément crucial de notre modèle social, si est-il de notre capacité à le réformer pour assurer sa pérennité. Avant de promettre que la seule chose qui, là, préoccupe est d'apporter des solutions pour son pays. Et de conclure en sous-entendant que son avenir à Matignon pourrait être décidé par le vote à venir. Crédit photo, capture d'écran TF1/JT 20h.